Avec le PIMA et le président Macky Sall, nous pouvons espérer, car il a désenclavé l'Ira Morphile et a fait des territoires frontiers des éléments catalyseurs de croissance. J'ai dit espoir, car c'est dans l'espérance que l'être humain trouve la force pour identifier les moyens d'exercer une influence positive sur son environnement. En mettant à l'occasion de cette cérémonie à la disposition de 30 villages du département de ses premières livraisons de combinaisons mouleurs, décortiqueurs, décortiqueuses arides de paddy, de motopompes et de table-bancs, le PIMA vise par cet acte à promouvoir, pour aujourd'hui et pour demain, une participation effective des femmes à la vie des communautés humaines et à leur autonomisation. Les 2000 table-bancs, dont 300 réceptionnés aujourd'hui, qui seront remises aux écoles frontalières, permettront d'améliorer les conditions d'études des élèves, le taux de réussite, la scolarisation des enfants. Elles viennent en appui à la politique éducative du président de la République, à savoir l'amélioration de la qualité, l'équité et la transparence du secteur de l'éducation et de la formation, communément appelé paquet. Mesdames, Messieurs, il me plaît à cet égard de rappeler à l'assistance les nombreuses réalisations en cours du PIMA dans le département visant à relever le plateau technique médical et à créer les conditions optimales de son développement. Mon collègue Djedjou a été assez prolixe. Je vais citer quelques-unes, en tout cas, de nos réalisations. La position d'un poste de santé haut de gamme actuellement à Sinthiou Amadou Mariam, constitué d'un dispensaire, d'une maternité, des logements de l'ICP, de la sage-femme qui sera entièrement équipée par le PIMA. La construction de la case du tout petit à Walalde chez moi. Voilà. La réalisation d'ouvrages de franchissement à Aéropost, Ounouga Aéré, Djaïng, Aram et Djogdé. La formation de 200 jeunes sur divers modules, à savoir les BTP, le leadership, l'entrepreneuriat, les métiers liés à l'agriculture et à l'élevage. Le démarrage du volet puisqu'il dans 7 localités du département. Des forages qui vont démarrer à Chili, Barkedjo, Wouro, Alfali, etc. J'en passe.